Business Reduction. Quelque part ici. Il faut qu'on aille regarder ça après. Non, je ne suis pas sûre. Brent, elle a parlé de ça. Elle ne va pas venir. Et si elle avait posé une caméra de surveillance là-bas pour regarder et contrôler tous ceux qui entrent et sortent d'ici? Je t'inquiète, mais pourquoi? Elle ne va pas venir. Comment elle va savoir qu'elle va venir ici? Moi, j'ai l'impression que Brent est capable de tout maintenant. Elle ne va pas venir. Embouteillage comment? Je t'ai demandé de passer par Ekounou. Ok. En tout cas, ne traîne pas. J'ai fait ton plat préféré. Et il ne faut pas que tu arrives ici quand c'est déjà froid. Tout est même déjà servi. Ok. Vas-y. On t'attend. Avec Roxane, non? Ok. Il demande à Vasile de passer du coup que je lui avais fait l'autre fois. Mmh. Et tu es contente. Oh, dès qu'il arrive ici, on l'embrouille avec la nourriture là. Il finit de manger. On arrache son poil. Et puis on le fout à la porte comme avec l'autre. Parce que je ne veux pas les problèmes où je suis là. Je ne veux même pas sentir Brenda ici. Donc il ne faut même pas qu'il passe une seconde de plus dans ma maison. Brenda va venir ici quand il sera déjà parti. Elle ne doit même pas venir. Elle vient faire quoi ici? C'est sa maison. Elle n'a pas où rester. Elle est sans abri. C'est même comment? Mais c'est ta meilleure amie, non? La meilleure amie de qui? Tu veux donc dire que c'est Caroline, ta meilleure amie? Qui? Celle qui a voté 4 fois par mois, elle ne meurt pas là. Non. Non, Brenda. Ok. En parlant de Caroline, là, je l'ai vue dans mon rêve cette nuit. C'est quoi? Elle t'avait fait avorter. Ah! Attends. J'ai fait un de ces rêves cette nuit. Je dirais même un cauchemar. Figure-toi que dans le rêve là, il y avait Tata qui... Quoi, il y avait toi et moi. On était à une fête. Il y avait ton faux fils d'ambassadeur là. Quel faux fils d'ambassadeur? Ton beau gosse, non? Tu as la mémoire courte. Ton beau gosse de qui? Ah, ce n'est plus ton beau gosse. Il vient faire quoi dans ton rêve? Je sais que quoi, c'est même pas toi qui l'as amené dans ma maison. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens du bandit de Balmayo qui avait pris le bus pour arriver ici parce que tu avais mis l'annonce sur Facebook que je cherchais un père pour mon enfant. Il était là-bas. Il était dans mon rêve. Et ce n'est pas le pire. Lui et moi, on était comme ça, assis, côte à côte, collés, serrés comme ça, chimentés comme Sidi Diabaté dit souvent. Ça fait du coup de l'envoi. Hé, fiche-les. Avec qui? Et puis on se souriait, comme si on se connaissait depuis longtemps. Je ne comprends pas. Les rêves sont trop bizarres.
On était là, on se souriait, on se parlait. Moi, j'ai rié comme une folle. Ouais. Et toi, tu étais à côté avec ton beau gosse là. Vous étiez là, bisous par ci, bisous par là. C'était une grande fête, hein. Il y avait l'ambiance là-bas, il y avait le monde, il y avait les gens. Et puis, Caro avait un bébé à main. C'est-à-dire que la fille l'a fait comme ça jusqu'à dans mon rêve, elle a couché. Elle a accouché avant moi. Waouh, c'est bien ça. Ça veut dire que dans la vraie vie, peut-être elle est enceinte. Et que le tout, si elle ne va pas avorter. Peut-être. En tout cas, c'était qu'un rêve. C'était bizarre. Mais on était là, tout se passait bien. Tu connais ta tante qui m'avait ses mentalités du village, non? Elle arrivait là, fou, avec son corps. Saccager tout sous la table. Toi et ton beau gosse, vous séparez, les jeter par terre. Moi-même, elle ne m'a pas laissé. Elle m'a bousculé sur le canapé là-bas. Ou bien, je ne sais pas. Elle n'aime pas voir les gens heureux. C'est vrai que ça m'a aussi aidé parce que je ne comprends pas ce que je faisais avec le gars. Moi-même. Donc, on a quand même insisté. Et puis, le bandit l'a attrapé. Fouettait Tata qui m'avait sa machette. À chaque fois qu'il donnait un coup, elle maigrissait. À chaque fois qu'il donnait un coup, elle maigrissait. Elle est devenue plus maigre que moi. Tu imagines Tata qui maigre. Si au moins la partie du rêve là pouvait se réaliser. Tu vois un peu, non? Si au moins la partie du rêve où tu étais avec le bandit là pouvait se réaliser. C'est la partie où tu étais avec ton beau gosse là qui va se réaliser. Jamais. Tu penses que tu es plus méchante que qui? Continue. On n'a pas fini. Oui, il y avait les gens là-bas. Je ne connais pas la fête de qui c'était. Je ne connais pas la fête de quoi c'était. Tu sais que les rêves sont bizarres, non? Quand tu vois d'abord un rêve où je suis dedans avec le gars là, le bandit là, tu penses que c'est quel genre de rêve? C'est un rêve sans sens, impossible. Donc tu me dis que le bandit n'allait pas un humain? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est des choses impossibles. Tu penses que quelque chose comme ça peut arriver dans la vraie vie? Où nous tous nous sommes rassemblés là, et puis tu es dans les bras de beau gosse, tu lui fais des bisous, non, un peu de pas. Ça ne va pas se réaliser. C'est la part qui va se réaliser. Tu sais que le destin, genre. Laisse-moi te dire que, pour couronner le tout, l'heure du mangement est arrivée. On est parti manger, non? On part sur la table se servir. Ton gars était devant. Il a pris le plat. Quel gars? Il faut dire beau gosse. Tu dis mon gars comment? C'est ton gars! C'est pas mon gars! Ça veut donc dire que le bandit là c'est ton gars aussi. Ce n'est pas mon gars, c'est différent. Même comme dans le rêve, il était chaud, il était posé, et puis il était charismatique, il était comme un acteur américain. Voilà. Ok, je vais te raconter la suite, je vais voir si tu vas continuer à sourire comme ça. Ton gars était devant, et ne dis plus que c'est pas ton gars, parce que dans mon rêve c'était ton gars. Laisse-moi te raconter mon histoire, mon rêve, mon cauchemar. Si tu ne dis pas que c'était pas mon gars, moi je vais pas te laisser finir l'histoire. Ok, bouge tes oreilles alors, je vais raconter. Ton gars est parti sur la table. Ouais, laisse-moi raconter, c'est quoi? C'était ton gars dans mon rêve. Dans mon rêve, non? Dans ton rêve. On est arrivé sur la table, qu'il a pris le plus gros plat. Le voilà devant. Il charge le riz, fou. Il charge le dolé, va. Il arrive là-bas, il met le héros sur ça. Le couscous, il porte les choses, il met le piment dessus. Il avait tout sur la table là. Il a tout ramassé. Le poisson frit, le poulet, il met dans le plat. Tout, il met dans le plat. Plat poubelle. Donc le plat était même petit, il fallait le plateau. Il manquait petit comme ça. Il allait porter le plateau et puis charger tout dedans. Je veux dire un plateau sur la table, non? Et dès que tu lui as dit, bon, c'est quoi ça? Il t'a dit, hop, ta, laisse-moi, j'ai faim, c'est quoi? Ne me saoule pas devant les gens. Oh, machin, machin. C'est là que tu as commencé à avoir honte. Tout le monde était regardé dans la salle comme ça, fou, comme dans les films. J'ai inventé déjà. J'invente comment? Tout le monde était regardé. Ça me fait mal, j'ai inventé. Il te dit que même les mouches qui étaient dans la salle, elles te regardaient comme ça. Que yeah, maman, je ne peux pas être à la place de la fille. C'est qu'elle va disparaître. Son plat était déjà comme la montagne, comme ça. Il a ajouté la sauce jaune sur ça. On part maintenant que vous, on va manger. N'est-ce pas, tu le fuis? Tu pars rester de l'autre côté de la table là-bas. Il est là, le voilà, il mange comme le porc. Couchou, couchou, couchou. Il mange comme le porc. Couchou, couchou. Il mange, il mange, il mélange tout. Il mange. Je te dis que c'était dégoûtant.
L'enfant qui était dans les bras de Caroline a vomi là-bas même 10 fois. Ah, mais c'est qui? Tout le monde s'est arrêté de manger. Fou. Regarde sur ton beau gosse. Tous les regards étaient sur ton beau gosse comme ça. Parce que dans son plat, il y avait tout ce qui était sur la table. C'est-à-dire des morceaux de porc, la viande de bœuf, la peau, le hérou, le riz, puis les frites de plantain, le poisson frit, le dolet. Ouais, il te dit que tout ce qu'il y avait sur la table, le gars a fait que tout, c'était un collectionneur. Tu as fui, tu allais rester en face de lui. Même manger te dépassait. Au même moment, mon braqueur là, le bandit de Balmayo là, comme il était d'abord chaud comme un Américain, tu vois, les familles d'abord là, stylé, il mangeait comme un blanc. Ouais, Seigneur, c'était beau à regarder. Par contre, dès que tu tournais le regard, tu voulais fuir. C'est comme ça qu'après, il a pris un morceau de porc qui avait le tendon, Roxane. Il fallait le voir dans la salle, en train de bagarrer avec la viande. Le voilà qui tire jusqu'à sa dent saute. Il tire, la salive coule. Il tire, Roxane. On le regardait seulement comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas filmé. Ah, même si j'ai filmé, c'était le rêve. C'est comme ça qu'il finit de tirer le tendon là. Il récupère l'os. Il n'y a même plus la viande sur ça. Mais il cherche, il fouille, il cafouille, il massacre l'os. Il te dit qu'il n'était plus qu'un chien qui avait l'os entre les mains. Il a torturé l'os, la Roxane. Torturé l'os. Il avait même la viande sur ses, mais il ne laissait pas. Jusqu'à un moment donné, il a eu pitié de l'os. Il a déposé par terre. Il a pris le poisson. Ah, ça fait rien. Massacré le poisson. Le voilà, caca. Caca. C'était laid à voir. Je te dis. Hey, c'était souillant. Ton rêve là, ça m'a fait combien de jours? On compte les jours dans les rêves. Tu étais seulement assise à côté là-bas. Malheureuse. Le visage pâle. Je te dis que tu avais envie de disparaître. De te cacher derrière les guis que... Hey! Pourquoi ça m'a tué? Ah! Si quelque chose comme ça arrive dans la vraie vie, vraiment, je ne sais pas où je vais me mettre. Je vais creuser la terre, ancrer dedans. Ça ne va même pas d'abord arriver. Seulement à partir où tu étais avec ton bandit là. C'est comme ça qu'il se lève. Il repart sur la table. Où il partait faire quoi là-bas? N'est-ce pas, on observait seulement la scène. Il arrive, il trouve un gars devant lui qui se sait. Il attend. Pendant qu'il attend, le voilà en train de manger toujours comme un porc. C'est quoi comme ça? Dès que le gars l'a décalé un peu comme ça, il reprend le service. Je t'ai dit qu'il avait pris la sauce jaune tout à l'heure. Il est reparti sur ça. Fais sa fête! Je te dis qu'il a porté l'assiette, la mamie de la sauce jaune là comme ça. Arrosé son riz, dolet, héros qui avait dans le plat là. Je te dis qu'il a arrosé avec ça comme ça. Pour couronner le tout. Maman, allez chercher la boîte de la sauce vinaigrette là, qui était dans la bouteille. Aromatiser le dessus avec Roxane. Roxane, je te dis que non. C'était étouffant. Après, il vient s'asseoir à côté de nous. À côté de qui? Sur notre table, non? Le voilà. Il mélange. Il mélange. Il mange. Il mange, c'est le porc. Il mange. Il était content. Comme un enfant dans un magasin de jouets. Il a dit qu'il chantonnait même. Il mangeait, il était content. Oh, Jésus m'est mouillé. Jésus m'est mouillé. Comme s'il sortait de Kodengui. Je t'appelais seulement que Roxane, pardon, viens t'asseoir à côté de ton mari, si possible, mais nourris-le. Ou bien aide-le à finir son plat. Je ne suis pas venue, non. Tu es venue où? La honte te laissait où? Et dès que tu avais honte jusqu'à. On était seulement à côté de ça. N'est-ce pas, après? Il porte une brique de vin sur la table. Comme il y avait un peu de vin et tout là. Il y avait même la bière là-bas, le jus, tout. Il porte la brique là. Le voilà. Avec toute l'huile qu'il y avait sur sa main. L'huile d'une douleur, de la sauce jaune, la vinaigrette, tout. Et il ouvre, ça ne s'ouvre pas. Ça glisse. Le gars a attrapé ça avec les dents. Il a ouvert ça. Et dit que toute la salle a fait. Hey! Beau gosse! Il ne le gérait même pas. Le gars a versé ça dans le verre. Coco, posé. Regardez comme ça.
réfléchis que je peux encore rajouter quoi. C'est comme ça qu'il prend la bouteille de martini qui était posée sur la table. Ouvre même le dépasse. Je ne sais même pas s'il a lu ce qui était sur la bouteille là. Ou s'il connaît même d'abord ce que veut dire martini. Est-ce qu'il connaît même l'essence, les origines de ces boissons là? Il ne connaissait pas. Je ne suis même pas sûre qu'il avait un jour vu ça de sa vie. Mais il a pris quand même. Mais c'était le fils d'un ambassadeur. Quel fils d'un ambassadeur? Non, tu insistes sur ça. Tu l'as oublié. Oublié. N'est-ce pas, il prend, il parvient à ouvrir. Il verse dans le même verre. C'est-à-dire qu'il mélange. C'est faisable ça. Ou même. C'est comme ça qu'il y avait sur la même table une petite bouteille de jus Planète là. C'était Planète Orange, c'était Planète Cocktail, Planète Pamplemousse. Je ne me souviens même plus. Le petit là n'avait demandé rien à personne. Comme je te dis là, c'était là-bas dans son coin. Beau gosse, il a attrapé que vous ouvrez, tac tac. Mélangé dans le même verre où il avait déjà mis le martini et le vin blanc. Ah. C'est ce qu'il manquait seulement la cuillère pour tourner comme ça et mettre le cube sur ça. Il a mélangé tout ça. Il y avait une autre bouteille de vin blanc là. Il a aussi attrapé ça. Il a fait le mélange. Et il a bu. Quoi? Il a attrapé le vin là. Hé hé. Coco. Il était dit que ça descendait comme ça jusqu'à il transpirait. Il a tout bu. Jusqu'à je ne sais même pas. Donc, oh vraiment. Le cœur du ballon alors maintenant, Roxane. Tu ne peux pas imaginer. Je te dis que même si je te donne 1000 ans, 9 mois jusqu'à j'accouche l'enfant, si je le tue jusqu'à il accouche ses enfants, tu ne peux pas deviner. Il est parti aux toilettes. Quelle toilette? Il a mis la main dans la poche, en gaz. Sorti le plastique noir. Eh ben, le voilà. Il ouvre caca. Il porte son plat poubelle. Il charge dans le plastique. Tic-tic, hé-hé. Après, il attache sa chose. Puis, il soulève son habit comme ça. Il garde ici, là. Je ne sais pas s'il y avait une poche quelque part ici. Ferme. Il regarde comme ça. Comme si de rien n'était. Comme s'il était seul au monde. Comme je t'ai dit que c'était une grande fête là. Il y avait même la glace là-bas. Hein? Ce n'était pas n'importe qui. Ou c'était le mariage de qui. Je ne sais même pas. Et une fille là qui est venue avec un plateau. Il y avait les pots de glace dedans. Elle a commencé à distribuer. Mais elle a dit que c'était seulement pour les filles. N'est-ce pas? On a prié. Ton gars s'est énervé. Ha! Maman, fais le scandale là-bas. Oh, c'est comme ça qu'il a lâché un peu tout. Maman, ça a envahi la salle que... Je t'ai dit que ce n'est pas mon gars, non, Laetitia. Oh, oui, ton beau gosse. L'odeur dans la salle. Tout le monde a commencé à crier que c'est quoi ça, c'est quoi ça? On voulait même déjà sortir de la salle là et le laisser là-bas. La salle la sentait. On a compris que si on ne lui donnait pas sa part de glace, il allait encore péter pour une deuxième fois. Et là, non, tout le monde allait s'évanouir. Voilà, ça va dire que maman, pardon, vient donner sa part. Elle est venue lui donner. Le voilà qui entre ça comme la chèvre. Hé, hé. Il lèche comme un villageois. Il ne léchait même pas, il mangeait. Il dit, oh putain, c'est bon jusqu'à. Oh putain, la glace. Oh putain, c'est sucré. Hé, c'était quoi comme ça? Un cauchemar. Heureusement que c'était qu'un rêve. Si ça arrive dans la vraie vie, je quitte la planète Terre. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi François est si dur comme ça, non? Moi, je n'aime pas moi les choses comme ça. Oh. Vraiment. La nourriture va se refroidir là-bas. Est-ce que c'est la nourriture le plus important? C'est son poil qu'on doit arracher là qui est important. Tu as même raison. J'arrive! Ah, là-bas, l'autre jour, vous pouvez chasser ici comme une chienne. Tu penses que vous pouvez encore me chasser comme ça aujourd'hui? Je t'ai dit que je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que je sois sûre que cet enfant n'est pas de François, ne me pousse pas. Prête, tu veux même quoi? Excuse-moi, je t'ai tout dit, je ne vais pas te mêler de mes choses, non? Toi, tu parles en tant que qui? En tant que ma petite soeur. Tais-toi là-bas, petite soeur de quoi? Tu n'as pas arraché son gars. C'est tout comme ça que tu es. Tu aimes toujours venir déposer tes mauvais démons là dans les jambes. C'est toi qui as installé les démons là en moi. Montre-moi la liste là. Quelle liste? La liste, tu sais de quoi je parle.
Tu es venu ici l'autre jour gâter ma relation, Brenda. À cause de toi, mon gars est parti d'ici en catastrophe. Gâter ta relation? Où vous avez organisé les parties aussi pour violer l'enfant de Chouy? C'est ça que tu appelles relation? Pardon, montre-moi la liste là, je ne suis même pas venue. Qui a organisé quoi? Et même si c'est pas le cas, en quoi est-ce que ça te concerne? Business Reduction.